L'orateur de la prière du vendredi de Téhéran, l'ayatollah Ahmad Jannati, a qualifié la place occupée par la République islamique d'Iran dans les négociations globales avec les 5+1 de supérieur et a déclaré « Lors de cette réunion, les représentants de l'Iran ont rejeté les méthodes oppressives et menaçantes des Occidentaux et ont expliqué que, pour la poursuite des négociations globales, il fallait aborder des points communs tels que la paix et la sécurité. Le désarmement est la raison de la propagation des armes nucléaires ainsi que l'équité, tout en rappelant que la question du nucléaire était un sujet clos. » L'ayatollah Jannati a estimé que l'évocation de la mémoire du docteur Majid Shahriari, le scientifique martyr iranien au début des négociations, par le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Saïd Jalili, était une démarche digne et a déclaré « Cette démarche a changé l'ambiance de la réunion en faveur de l'Iran et a rendu l'autre partie passive. » L'orateur de la prière du vendredi de Téhéran a rappelé dans la résolution anti-iranienne du Conseil de sécurité de l'ONU, les pays occidentaux ont cité les noms des scientifiques iraniens, mettant cette liste entre les mains des terroristes. Après leur échec dans les différentes opérations pour briser la résistance du peuple iranien, les ennemis sont maintenant obligés de se rendre, a ajouté l'ayatollah Ahmad Jannati, avant de souligner le monde entier doit savoir que le peuple iranien, sous le leadership du guide suprême de la révolution islamique, ne se soumettra jamais à l'arrogance mondiale.